Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Pirate Roger. Pirate VR, Jolly Roger, qui est un jeu qui se veut être très joli avec des pirates. On avait vu le trailer, je me souviens. Putain, j'aime bien les mains. Je vous avais montré le trailer, voilà, depuis un moment. On peut prendre ça? Nice. Bon, c'est un peu chiant de le voir ça. Est-ce que tu parles, toi? Ok. Donc on a un parrotte qui va nous parler. Ok. Pick up the apple and grip it into the inventory. Ok. Hop, le bouton A pour ouvrir l'inventaire. Nice. Et je le mets dedans. Alors le jeu fait avec le bureau virtuel des micro saccades qui sont pas très plaisantes, je vais pas vous cacher. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un autre menu? Attends, celui-là. Non. Parce que faudrait que je puisse courir, je suppose. C'est pas bien rapide. Alors le jeu est pour le moment très très beau. Est-ce que si je fais ça, ça me le met dans l'inventaire, je suppose? Je sais pas, est-ce que c'est tombé par terre? Non. Ok, vas-y, fais voir. Rip, move your controller something to swim. Watch out, declining oxygen. It's... Ok, allez, c'est parti. Visiblement, on va nager. Non, mais c'est bien d'être comme ça aussi. You must save my breath. Ouais, je dois garder mon souffle. Franchement, c'est assez joli, hein. C'est vraiment assez joli. Je pense qu'il faut qu'on aille sur le bateau qui est là-bas, mais en vrai, est-ce que j'ai vraiment envie de nager jusqu'au bateau? Parce que moi, je suis un pirate de... Je suis un marin d'eau douce, quoi, hein, les gars. Je suis pas très... Ah, attends, il y a un coffre. Avec une petite panthère. Ouais, ok. Je veux pas que j'y aille. Par contre, ce serait vraiment bien d'avoir une course, quelque chose. Est-ce que si je fais ça, non, ça, non. Deux fois en avant, non. Ça se récupère ça ou pas du tout? Non. Ok. Ah, ok, alors ça c'est la manière la plus artificielle de nous faire. Si j'avance, est-ce qu'il me saute dessus? Ok. pas très probant, hein, ce hit. Et donc là, maintenant je suis à quatre pattes. Ok, je peux plus avancer debout. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et donc cette sorcellerie. J'ai deux boutons pour me mettre accroupi, c'est bien, c'est parfait, mais c'est bizarre. On va aller dans l'eau, peut-être qu'en sortant, pour aller plus vite. Mais je vais pas vous cacher que j'ai pas vraiment beaucoup envie de nager. Hein. Il y a un truc là. Est-ce qu'il faut faire ça pour nager? Ou attraper l'eau? Be careful, don't swim further. Ok, on va pas aller plus loin. J'ai bien compris. Et clairement, j'ai pas du tout... Il y a un mort là-bas. J'ai pas du tout envie de me retrouver nez à nez avec un... Avec un requin aux oeufs de merde. Voilà, ça ira largement. Si je pouvais nager avec les petites brassières là. Plic, plac, plic, plac, plic. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Watch out, the declining oxygen. Ouais, ça tu nous l'as déjà dit. On va repartir donc hors... Donc ouais, en tout cas, ils nous ont mis de manière complètement artificielle des petites panthères pour nous dire pas par ici, pas par là, ok. C'est pas le... Ça aurait pu être mieux. Ok, on est redevenu grand. La magie noire. Mmh. Ça aurait été bien. Hein. Le jeu a vraiment montré un trailer incroyable et ils avaient rien sorti depuis sur le jeu, pas d'infos et vraiment il y a des jeux quand ça fait des années que t'as un trailer, il y a encore une panthère là-bas donc ça veut dire pas par là, alors c'est vraiment artificiellement fait pas ouf quoi. Polami, ok. Et donc gros silence radio et des fois t'as des jeux comme ça dans ta wishlist, tu te dis mais est-ce que ça vaut le coup de le garder ou pas parce que t'as l'impression que ça va jamais sortir, il y a pas d'infos. Et là avec le Steam Fest, et ben ils ont dit hey, nous avons une démo à vous prouver, à vous deux, à vous faire tester, donc on peut y aller par là.
Il est allé par là, parce que Follow Me, et il s'envole. Voilà quoi. Hein. Ok, il va y avoir de l'escalade visiblement. Donc la démo, elle va être plutôt une démo un peu, j'ai envie de dire, technique, nous montrer la beauté du jeu, qui franchement est pas déconnante, et également les différentes mécaniques de jeu qu'on va avoir. Donc on a fait un tout petit peu de nage. Là, on va pouvoir faire un petit peu de climbing. Ok, ok, doucement, doucement. Laisse-moi donc monter tranquillement, ok. J'aime bien les animations de main comme ça qui prennent le temps de se poser plutôt que les jeux où ça pop là où tu mets ta main. Attends, j'ai des grands bras, on va en profiter. Reach the top place, both end on the rock to pull yourself. Ok, hop. Comme ça, hein. Non, 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 non. C'est un décès. Ok, nice. Bon, ceux qui me connaissent bien, ils savent que je suis un pro de la chute. Donc, est-ce que c'est étonnant que je sois mort en tombant? Oh. Voilà. Hein. You know me. Alors, attends, on va prendre ça, celui-là et celui-là. C'est ça que tu veux qu'on fasse? Hop. Ok, nice. Ensuite. Follow me. Là, ok. Petite musique sympa, hein, pas fifou fifou, mais sympa, parce qu'en vrai, petite ambiance, c'est mieux que juste... Enfin, on est quand même en train de faire l'aventure, là. On a un pirate, t'es. Donc on met bien les deux mains là, et on monte. Ok, tu veux voir un peu? Ok, super. Je déteste ça dans les manèges. Tu veux que je prenne ça? Je fais quoi? Après, faut que je remonte si je me gourre. Bon, bah écoute... Ok. Ça, c'est l'aventure, mon pote. Hop, on s'arrête. Ok, on tombe tout droit quand on s'arrête. Qu'est-ce que tu veux que je vienne chercher ici, mon petit? Ça. Et c'est quoi, en fait? C'est des gold. Ok. Et ensuite? Ensuite, qu'est-ce que tu veux que je foute? Foutu parotte qui nous a dit une fois et après il disparaît. Mais où est-ce que je vais maintenant? Est-ce que je descends là-dessus? Non. Ok, cool. Je remonte sur... Ah, attends. Et ça va me faire remonter. Ça aurait été bien. Où est-ce que je peux aller? Bon. Et je peux pas descendre, hein, juste en allant tout droit, ok. Peut-être là. Vas-y, on essaye. Ok, doucement. Très bien. Je me suis visiblement pété les jambes. Et c'est mortel. Ok, super. Génial. Putain, cette voix insupportable. Allez. Faut quand même le prévenir que ça fait un moment que j'ai pas mangé sur cette île. Et que s'il me casse trop les couilles, il va terminer en kebab de parotte. Oui, c'est sûr que là, les mecs qui ont le vertige, genre moi, on peut se rendre compte que ça fait pas le vertige. C'est un vrai plaisir pour ça, la VR. Ah, attends, là, je me tourne un peu. Zip, zoop. J'aime vraiment bien la musique à ce moment-là. Qui se lance un peu. Ok, mais alors, tu veux vraiment que je descende? Parce que je trouve que c'est pas très malin de descendre. Hein? Qu'est-ce que tu proposes? C'est quoi la suite? Ça? Non. Oui, te lécher les papates. Qu'est-ce qu'on fait, le parotte? Bon, je pense effectivement qu'il faut descendre, mais ça a pas de... Ça n'a pas d'intérêt, quoi. Ah, où est-ce qu'il va, en fait? C'est surtout ça qui m'intéresse.
Ok, il est allé sur la branche là-bas. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'escalade ici? Oui, monsieur. C'est ça d'être aveugle. Parce que c'est bien connu, les pirates, ils ont les mains de Spider-Man. Aïe. Est-ce que je peux... Je peux sinon juste... Non. J'ai glissé, chef. Est-ce que je peux faire ça? Ouais, je peux faire ça. Je passe au travers, bien sûr. Je pense que je vais manquer d'endu ou quelque chose du genre. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Oh, on va se refaire la petite escalade du mur. C'est tellement agréable. Putain. Nathan Matthew. Oui. C'est ça, Perfoura. Allez. Allez vous faire perfourer, justement. Allez. On a pas le temps de niaiser là. Les bras de 8 mètres. You're moving. Ok, cette fois-ci on va pas traîner. Déjà on va descendre du truc, je pense. Hop, histoire de reprendre son espèce d'endu, j'imagine. Bon, ça on laisse tomber. Allez, on y va. Ah, c'est un mur, ça, monsieur. On ne tape pas dans les murs. Est-ce qu'il y a un endroit où on voit? C'est ça l'endu, peut-être? Allez, yes. Yes. Non! Ok. Est-ce qu'on peut faire à l'inverse? Oui, on peut monter les bras croisés, oui. Ah, toi, t'as un truc à me donner. Donne-moi tes bourses. Un sabre, ça aurait été bien pour se battre contre les panthères qui nous sautent dessus pour nous faire des dégâts façon au jeu des années 80. Vraiment, le rebond pour les dégâts, c'était... Oh putain, tu veux que je saute là-dessus? Attends, comment je... Parce qu'il y a du vert, il y a de la verdure de... Il y a de la verdure de trucs qu'on peut attraper. Mais comment on va faire? Est-ce qu'il faut juste que j'avance et que je tente? Est-ce qu'il va sauter? Quoi? Je sais même pas ce qui m'a tué. Il m'a dit go for it, it's not a snake. Ce n'est pas... Donc sur la théorie de la théorie. Ok, je crois qu'il a fait une animation de décès avant alors que je m'accrochais. En fait, je me suis presque cogné dessus, j'ai l'impression. Ah, ah, putain! Il ferme sa gueule. Si, c'est bon. Putain, comment tu fais? Il y a un saut ou pas? Parce que j'ai pas eu de tuto sur les touches, les mecs. Mais juste dit démerdez-vous et puis c'est tout. Alors, ça? Non. Parce que je vois bien qu'il faut l'attraper ça. Mais comment je fais pour ne pas crever? Est-ce qu'il y a un truc qui a un menu qui se... Non, pas de menu contextuel. Et là... L'espèce de stalagmite que tu peux t'enfoncer dans le derche en tombant. Genre, bah voilà. C'est ce qu'on appelle un mal de cul.
Bah, en toute honnêteté, je vois pas trop comment faire. Parce que ouais, dès que je l'attrape, il comptabilise la chute. Ok, logique. C'est pas le meilleur des pirates, hein. C'est pas le pirate le plus piraterie de la piraterie. Hein. Ouais, j'ai compris. Ça, non. Est-ce qu'il y a des marques vertes quelque part? Ça manque sur ce tuto d'un petit truc qui mettrait en highlight ce que tu dois faire. Parce que, ben, je suis un peu perdu là, monsieur. Parce que j'aurais compris d'aller de liane en liane. Là, il n'y a pas de verdure, machin. Ah, vraiment, je ne sais pas. Ok, donc c'est des plantes brûlantes, visiblement. Pour moi, il y a un problème, il manque la touche saut, c'est pas possible. Il n'y a pas un menu, quelque chose? Non, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun menu. Ce qui fait que je suis même pas en capacité de trouver la touche. Je suis déception. Je suis déception. Même là, je l'attrape un peu plus en avance. On va faire un last try et je m'arrêterai sans doute là-dessus. Par contre, c'est vraiment un jeu que j'avais envie de vous montrer, donc je vais quand même garder. C'était incroyable, session. Et ça en terminera sur une chute incroyable. Bon, et bah, il va falloir voir comment ça se passe quand ça sortira. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous dans la barre des commentaires. Abonne-toi, tout ça tu connais. Et on verra quand ça sort. Mais en fait, je suis curieux parce que le jeu est vraiment joli. Mais j'ai peur que ce soit mou comme ça, là, comme c'est en train d'être mou. Et ça, par contre, ça me... Voilà, c'est pas la vie de pirate que j'ai envie de vivre, quoi. Ouais, ouais, c'est bon. Ouais, putain, si je recule, il me le redit. Je fais un dernier look, là, parce que... Y a pas de... Y a pas des petites verdures sur les murs, là. Attends, ça... Non, attends. Non. Bon, bah on se retrouve en tout cas dans les prochaines games, les prochaines vidéos. J'attends mes mains. Allez, salut.